Alors, donc, comme évoqué tout à l'heure, on va aujourd'hui parler de Google Discover, savoir un petit peu ce qu'on sait vraiment, parce que comme ça a été dit en introduction, il y a assez peu finalement d'informations, en tout cas francophones, sur le sujet. Donc, le but, ça sera de voir un petit peu en plusieurs parties, déjà présenter Google Discover, parce que, là, l'audience est quand même assez ciblée, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent très mal aussi ce canal. Donc, bien savoir ce dont on parle, répondre à certaines questions fréquentes. Ensuite, essayer de comprendre un petit peu quel est l'algorithme de Google Discover, vraiment comment il fonctionne pour savoir quels sont les critères pris en compte. Pourquoi, si on connaît les critères, c'est plus facile un petit peu d'optimiser derrière. Donc, il y aura quelques conseils. Et enfin, mesurer les résultats parce que. Si on essaye d'optimiser et d'améliorer, il faut savoir vraiment quelle part de trafic il y a derrière. Donc, comment pouvoir identifier le trafic de Google Discover dans les outils Analytics. Et j'ai appelé ça un petit peu fact-checking et j'ai pris des titres un petit peu issus de la presse parce que finalement, à peu près la seule documentation qu'on peut avoir actuellement, c'est principalement celle de Google. Et donc, le but, ça sera de confronter comment Google présente l'outil avec ce qu'on peut observer en réel ou enfin vraiment en testant les différences entre finalement la communication et la pratique. Et du coup, l'attitré de cette conférence et le fact-checking, c'est un petit peu pour faire un clin d'œil à la presse, parce que depuis donc l'an dernier, je suis passée responsable SEO du groupe Hébra. Hébra, ça veut dire Est Bourgogne-Rhône-Alpes. Et donc, c'est un groupe de presse quotidienne régionale qui a de nombreux titres sur l'Est de la France. Ça va du Dauphiné libéré aux dernières nouvelles d'Alsace, en passant par Le Progrès et d'autres encore. Cette semaine, il y a de nouveaux médias aussi qui ont été lancés uniquement sur application. J'en profite pour faire une petite pub rapide qui s'appelle ASAP Lyon et ASAP Strasbourg. C'est une nouvelle manière de présenter. L'information, les bons plans, l'agenda et ce qui se passe un petit peu localement. Donc, je vous encourage à tester ces applications. Voilà, c'est fini pour la promo. Donc, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec la présentation de Google Discover. Google Discover, qu'est-ce que c'est? C'est un système de recommandation personnalisé de contenu qui est disponible sur mobile. Si vous avez un téléphone Android, normalement c'est installé et activé nativement. C'est assez facile d'y accéder, soit en swipant, soit du coup en lançant l'application Google. Et du coup, pour tous ceux qui ont un iPhone, Google Discover est disponible, mais en utilisant l'application Google. Donc c'est le flux d'actualité qui est présenté. Sa particularité, c'est donc c'est une suggestion d'article. Pardon. Il n'y a pas besoin de faire de termes de recherche et le but donc c'est de vous présenter des articles qui sont ciblés selon vos préférences, vraiment une recommandation d'articles personnalisés. Si, comme j'ai dit, le but c'était de confronter un peu ce que Google disait de ce qu'on observait. Et dans la présentation, ils avaient lancé donc en 2018 officiellement un petit peu ce lancement, ce Google Discover. Je vous ai remis le lien et de toute façon tous les liens à peu près, la documentation est dans les slides. Et quand on regarde cet article de lancement, qu'est-ce qu'on observe un petit peu dans le détail? Donc j'ai remis sur la gauche les passages qui me semblaient importants dans cet article. C'est que c'était un nouveau nom et un nouveau look. Donc déjà, première chose qu'on apprend, c'est que finalement, Google Discover, c'est pas un produit nouveau. C'est plus une évolution d'un autre service de Google qui s'appelait Google Feed et donc qui a été remis au goût du jour, bien remis en avant, etc. Mais c'est pas un produit sorti de nulle part. C'est vraiment une évolution de l'un de leurs anciens produits. Et du coup, quand on se dit des fois si on n'a pas forcément d'informations sur le nouveau, on peut peut-être aller regarder comment fonctionne Google Feed pour savoir quelle est l'intention. Et comment ça fonctionne derrière? Parce que des fois, on dit bien que c'est dans les meilleurs pots qu'on fait, les anciens pots qu'on fait les meilleures recettes. Donc, ça vaut un petit peu, ça peut valoir le coup de regarder un petit peu en arrière pour savoir quelle était la logique de Google Feed pour comprendre un petit peu mieux, Discover. Dans cet article également, c'est marqué, ils insistent donc sur le fait qu'il n'y a pas besoin de renseigner de mots-clés.
Et on pourra trouver n'importe quel type de contenu, aussi bien du contenu evergreen, ça veut dire qu'il n'est pas forcément publié récemment, mais normalement pour nous en tant qu'utilisateur, on ne l'avait jamais vu. Donc oui, il est nouveau pour nous, mais il n'est pas forcément récent. Et ensuite, plus de contexte, plus de contrôle. Et il y a aussi un petit élément qui était dit, c'est que Discover utilise la même technologie que Full Coverage in Google News, donc la partie qui permet d'avoir une vision vraiment d'ensemble sur un sujet, qui, quand on regarde la présentation de Google News, cette partie-là, normalement, elle n'est pas du tout personnalisée. Mais en tout cas, c'est la même technologie apparemment qui serait utilisée pour fournir là un système, une recommande article vraiment entièrement personnalisée. En regardant ça, une des questions qu'on peut se poser, donc, c'est, étant donné qu'il y a une technologie qui est commune avec Google News, c'est est-ce qu'il faut être dans Google News pour apparaître dans Discover? La réponse est clairement non. Google News et Discover utilisent en tout cas des algorithmes différents. Et pour le montrer, c'est par exemple en Espagne, Google News est fermé pour des raisons légales, parce qu'ils ne sont pas entendus avec les différents éditeurs de presse, alors que Google Discover est disponible. Moi, donc, j'ai un blog qui est perso, qui n'est pas du tout enclin à aller dans Google News. Et quand je publie des articles, mais ça arrive assez rarement, ils apparaissent dans Discover. Donc Discover, sur le papier, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et quand j'étais chez iProspect, il y avait des fois plusieurs clients qui voulaient vraiment atteindre Google News pour avoir le bloc à la une. Et pour fournir, par exemple, quantité d'actualités sur leur achat de crédit, c'était forcément compliqué d'intégrer Google News. Par contre, sur Google Discover, ils auraient toutes leurs chances. Et Google Discover, c'est vraiment une manne de trafic impressionnante. Pour les sites notamment de médias, on va dire presse, enfin, Google Discover peut représenter 30 à 75% des fois du trafic issu de Google. Donc c'est vraiment une manne importante. Et du coup, pour ce genre de site-là où on sait très bien que leur place n'est pas forcément dans Google News, le but, et c'est tellement plus facile d'intégrer Discover qu'il faut mieux mettre ses billes et ses efforts là-dessus. Normalement, il n'y a pas beaucoup non plus d'efforts à faire pour rejoindre en tout cas Discover. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut des pages AMP? Là, clairement, la réponse va être non aussi. AMP, ça a été poussé, on va dire, pendant 5 ans, ça n'a pas trop pris et du coup, maintenant, c'est de moins en moins mis en avant. Y compris pour les sites de presse, finalement, c'est très rarement la version AMP qui est proposée dans Discover, c'est plus souvent la version mobile. Alors oui, après, il faut enfin, présenter des sites qui sont rapides. Je ne sais pas si ça a un gros impact derrière. En tout cas, Discover ne privilégiait pas du tout les versions AMP. Donc voilà. Dans la présentation, il y avait marqué, donc il mettait l'accent sur les contenus Evergreen. Est-ce qu'il faut quand même des contenus récents? Officiellement, donc c'était dit que non, mais clairement là, c'est plutôt oui. Généralement, les articles, ils ont une durée de vie qui est assez limitée sur Discover. C'est comme s'il y a une date de péremption et après 7 ou 15 jours, on les voit rarement apparaître. Après, vous pouvez faire le test vous-même. C'est dans votre flux, si vous regardez Discover. Est-ce que vous voyez beaucoup d'articles qui ont plus de 2 jours? La plupart du temps, non, les articles ont quelques heures. Donc, si on va dire on agit naturellement, faut plutôt des articles récents. Et après, on peut se demander aussi, finalement, statistiquement parlant, un article qui est nouveau pour tout le monde, bah, forcément, un article qui est récent, il sera forcément nouveau pour tout le monde. Et c'est plus compliqué de faire la part des choses entre les articles qui sont anciens mais qui n'ont jamais été vus. Si on veut proposer quelque chose de nouveau, autant aller piocher dans les articles récents. Si je regarde un petit peu les stats justement sur Discover, je compare donc la date de publication et la date où j'ai récolté les données. Que j'observe souvent, c'est que finalement, c'est vraiment le premier jour, la date de publication qui récolte énormément de trafic, quasiment les deux tiers du trafic.
Et après, ça s'atténue un petit peu, mais c'est clairement les 2 premiers jours. C'est là où il y a vraiment le gros décollage du Discover. Et après, ça s'atténue fortement. Et quand j'avais demandé à d'autres personnes pour savoir si justement ils voyaient des contenus evergreen sur Discover, il n'y avait pas grand monde qu'on observait vraiment. Et si je reprends dans la discussion Twitter, justement, une des réponses qui avait été proposée par Alexis Rilko, lui, il voyait que donc généralement les articles apparaissaient pareil moins de 7 jours dans Google Discover. Donc voilà, c'est comme s'il y avait vraiment une date de péremption et je vous invite, si vous avez l'occasion, à faire des stats comme ça pour regarder comment évolue le trafic, mais ça, y a un démarrage très fort et après ça disparaît très vite. Mais le démarrage est vraiment très fort, donc ça vaut vraiment le coup d'aller dedans. Du coup, étant donné que ça peut être intéressant, le but c'est de se demander comment fonctionne vraiment Discover, donc quels sont les critères qui sont pris en compte pour pouvoir bénéficier de ce boost au démarrage et en visibilité à la publication d'un article. Même s'il y a un gros boost, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde encore une fois la documentation de Google et sur comment apparaître sur Google Discover, il y a une phrase qui était très marrante, c'était vraiment Google prend des pincettes en disant, compte tenu de la nature hasardeuse de Discover, le trafic provenant de cette plateforme est moins prévisible ou fiable que celui de la recherche et doit être considéré comme complémentaire au trafic généré par la recherche de Google. Donc clairement, si on les traduit, c'est que ils prennent énormément de précautions et ça donne vraiment l'intention que Google Discover, c'est un système qui fonctionne avec de l'intelligence artificielle et clairement, ça a pris la main dessus et ils n'ont pas trop la main sur quels critères fonctionnent ou pas. On a l'impression qu'ils ne savent pas trop comment ça fonctionne, donc ils prennent vraiment énormément de précautions parce que enfin, ça donne vraiment l'impression que l'intelligence artificielle a pris le dessus et c'est dur de déterminer quels sont réellement les critères. Et justement, on revient un petit peu en arrière dans la présentation, quand il disait que la technologie qui était commune avec Google News, l'article, c'était vraiment l'intelligence artificielle rencontre l'intelligence humaine. Donc c'est vraiment à base d'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'action humaine globalement à peu près sur ce réseau, mis à part peut-être pour des sanctions manuelles, parce qu'il peut y avoir des pénalités aussi manuelles sur Discover. Mais les SEO peuvent être des gens un petit peu têtus et les éditeurs de presse, et du coup, parfois, on pose quand même des questions pour savoir comment ça fonctionne, comment les articles sont sélectionnés pour apparaître dans Discover. Et Google donne parfois des conseils justement plus aux éditeurs de presse, et c'est l'occasion de retrouver Danny Sullivan, par exemple. Et qu'est-ce qu'il nous répond? Déjà, il confirme que c'est totalement indépendant de Google News. Et après, si vous regardez cette slide avec les conseils, on voit encore qu'il y a énormément de pincettes qui sont prises. C'est AnyPage, c'est enfin le EAT, donc expertise, autorité, confiance, peut-être pris en compte. Faut fournir des contenus qui correspondent au centre d'intérêt actuel, raconter des bonnes histoires ou proposer des contenus uniques. Et mettre des images de bonne qualité peut aider. Donc il y a des conseils, ça paraît un petit peu un mélange de Captain Obvious et un mélange de travailler l'EAT parce que ça paraît évident et en même temps on ne sait pas trop comment c'est mesuré derrière l'expertise, etc. Donc ça reste quand même assez flou comme conseil. La question, vu qu'ils indiquaient quand même, est-ce qu'il faut du contenu unique? Globalement, la réponse est plutôt oui. Nous, chez nous, on a des articles qui peuvent parfois être diffusés sur plusieurs plateformes. Et quand c'est, enfin, globalement,
les articles qui sont privilégiés, ils étaient publiés de manière inédite. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même certains agrégateurs de contenu qui sont présents sur Discover, comme Yahoo News, pour ne pas les citer. Mais il y a deux choses, parce que Yahoo, c'est à la fois du coup un agrégateur de contenu, et maintenant, ils publient aussi de temps en temps des nouvelles à leur nom. Donc, on ne peut pas être juste un agrégateur pour pouvoir être dans Discover. Et si jamais il y a un contenu dupliqué, autant dans Google News, il y a souvent une rotation un petit peu entre des fois les sites qui proposent ce contenu-là. Autant sur Discover, il y en a un qui va être sélectionné et les autres, ils vont quasiment rien récolter. Donc c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir du contenu unique pour être présent sur Discover ou au moins montrer qu'on est capable d'en fournir et pas se baser que sur des contenus dupliqués. Tout ça nous renseigne toujours pas beaucoup sur vraiment quels sont les critères. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder un petit peu comment fonctionne Discover et sur chaque carte, un petit peu quelles options on nous propose. Et du coup, pour chaque carte de Google Discover, qu'est-ce qui est possible de faire? Il est possible d'évaluer un petit peu la pertinence pour dire est-ce que ça m'a intéressé ou ça ne m'a pas intéressé. Après, d'exclure aussi certains sujets. Là, c'est donc l'optimisation des moteurs de recherche, ou du coup, avoir une interaction vraiment avec la source qu'a publiée pour dire est-ce que je veux suivre ce site ou pas. Et on a la possibilité ensuite de gérer mes centres d'intérêt pour savoir donc ce que Google Discover a déduit comme centre d'intérêt et donc quels sont les sujets qu'il va régulièrement nous proposer dans le flux. C'est toujours intéressant aussi de voir donc quels sont les centres d'intérêt. Vous pouvez en retirer ou en ajouter pour l'aider vraiment à améliorer son système de recommandation. Ok, donc là déjà on a déjà donc trois pistes. Pareil, rien de révolutionnaire, mais on sait que ça se base à peu près donc du coup sur les sujets et sur la source. Si on regarde maintenant au niveau de l'aide pour Google Discover, comment il détecte en fait, comment le contenu de Discover est déterminé? Là, on voit que finalement les centres d'intérêt, ça vient principalement des données qu'il y a dans le compte Google. Ça vient des activités sur le web et les applications. Donc du coup, Google sait très bien sur quel, surtout si on a un téléphone Android, mais sur quel site on va ou quelle application on utilise régulièrement. Et ces informations, donc, elles peuvent provenir à la fois de nous-mêmes et à la fois celles de nos contacts. Et il y a un autre critère qui peut être intéressant, donc c'est ils prennent également en compte l'historique des positions et les paramètres de localisation. Donc là, on a un critère en plus. On voit qu'il y a les centres d'intérêt, on voit qu'il y a les éditeurs. Et on voit qu'il y a la localisation aussi qui peut être importante. Donc globalement, le flux et les recommandations, ils se basent sur ces trois éléments-là. Donc ça nous en dit déjà un petit peu plus sur comment fonctionne l'algorithme. Et clairement, du coup, si on résume, donc il y a les centres d'intérêt. Donc ils vous proposent des contenus qui sont liés à vos recherches et celles de vos amis. Il y a les sources. On sait les sites sur lesquels vous allez régulièrement. Et du coup, plus vous allez sur un site, plus vous aurez aussi des articles de cette source-là qui vous seront proposés. Et globalement, on sait où vous êtes et où vous avez été. Et du coup, ce qui se passe à proximité peut vous intéresser. Moi, je sais par exemple, cet été, j'ai été en Italie. Et du coup, dans mon flux Discover, je me suis retrouvée à les meilleures pizzerias sont à Paris ou je sais plus quoi. Et des choses. Après, il y a eu de l'actualité qui allait aussi, mais. À Pompéi, il y a une nouvelle momie qui a été découverte ou choses comme ça. Et donc, c'était vraiment quand même assez ciblé par rapport à là où j'étais actuellement. Et là, maintenant que je suis de retour en région parisienne, je vais plus savoir aussi des fois sur ce qui se passe à côté et plus aucune news qui est liée à l'Italie. Bon, en tout cas, voilà, il y a quand même trois principales sources d'informations et ça peut vous donner des idées. Parce que finalement aussi, les contenus, ils sont liés à vos recherches. Du coup, ce qui est principalement. Au départ, on dit que Google Discover, c'est finalement une boîte noire, on ne sait pas trop comment ça fonctionne.
Mais ce qui est souvent recherché va également se retrouver sur Discover. Donc il y a quand même des passerelles qui peuvent être faites entre la recherche traditionnelle, parce que c'est cette recherche qui est une source d'alimentation pour créer du coup le flux et les articles personnalisés. Il y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que mon téléphone écoute mes conversations pour alimenter mon flux? Parce que je suis avec des amis, je parle d'un sujet, et après, comme par hasard, j'ai des sujets qui sont proposés dans mon flux, enfin j'ai mon flux d'actualité qui parle de ça également. Globalement, après j'ai pas la science infuse et j'ai pas tout testé, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont testé ça, et notamment ceux qui sont vigilants sur la vie privée. Globalement, non, même si après il est possible d'écouter les conversations et de tout écouter, surtout si on a activé l'assistant vocal, c'est aussi techniquement contraignant de le faire, parce que pourquoi faudrait consommer énormément de data et de batterie? Et après, ce qu'on écoute, du coup, il faut essayer de le stocker, il faut le retranscrire, même s'il y a énormément d'améliorations en algorithmes qui sont speech to text, choses comme ça, il faut quand même ensuite détecter, pouvoir analyser et suggérer, faire en fonction. Donc techniquement, c'est possible, mais techniquement, c'est énormément coûteux de le faire, et il y a des systèmes qui sont beaucoup plus simples pour proposer des sujets. Et c'est justement le principe d'un système de recommandations, parce que Google, comme j'ai dit, enfin Discover, comme j'ai dit tout au départ, c'est un système géant de recommandations. Et si on imagine qu'il y a deux personnes qui sont en contact régulièrement, à la fois ils s'envoient des mails ou choses comme ça, et bah, techniquement c'est aussi possible de voir si les personnes se rencontrent, parce que comme Google traque la localisation, on peut voir si les téléphones de deux personnes différentes font appel à un même point, enfin antenne relais ou choses comme ça pendant une période donnée. On peut se dire si ces personnes-là, elles sont sûrement en tout cas côte à côte. Et s'il y en a un, ces centres d'intérêt sont, je sais pas, le SEO, Excel, Analytics, les chats, le jardinage et le cinéma, et l'autre aime bien à peu près les hyènes, les chats, les pelles, les caméras, les États-Unis et les complots. Si on regarde le flux de Discover de chacun, en final, on peut se dire, il y en a qui viennent directement des centres d'intérêt, par exemple SEO, Excel, on va proposer des sujets qui parlent de ça. On peut se dire aussi un petit peu comme dans Pyramide, si la personne aime bien SEO et Excel, il est fortement probable qu'elle aime bien les algorithmes aussi, et donc on peut proposer des sujets qui sont déduits un petit peu des centres d'intérêt précédents. Et on a vu que la personne était à proximité d'une autre, donc on va piocher dans les centres d'intérêt parce qu'ils parlent peut-être de centres d'intérêt communs ou qui sont proches, et donc il peut y avoir des échanges d'informations parce qu'on a vu que les informations provenaient à la fois de nous-mêmes et de nos contacts. Donc il peut y avoir un petit mélange de ça, et juste par déduction, on va dire, et un petit peu probabilité, c'est beaucoup plus facile de faire ce système-là en disant c'est juste de la déduction et du rapprochement, plutôt que mettre en place un système d'espionnage massif pour traiter toutes les infos derrière. Celui-là, en tout cas, il est beaucoup moins coûteux à faire. Et donc après, quand c'est un grand système de recommandations, bah, je ne vais pas détailler, parce qu'on pourrait faire également une conférence complète sur le sujet pour savoir comment fonctionnent les algorithmes et les systèmes de recommandations. Il y a plusieurs logiques qui existent, donc je vous ai mis quelques sources. Le premier, c'est où j'ai pris l'image parce qu'elle était assez claire, en se disant s'il y a deux personnes qui lisent des articles en commun, il y en a une qui lit un autre article, bah du coup ça peut être cool de le recommander à l'autre, étant donné qu'ils avaient pas mal de choses en commun. Ou alors si un article la personne a aimé un article, on sait qu'il y a d'autres articles qui sont proches de ce sujet-là, du coup on peut recommander également les articles qui sont proches. Donc il y a plusieurs logiques dans les systèmes de recommandation. Il y a le blog Octo qui présentait pas mal, et je sais que les frères Perronnet avaient fait aussi une formation plus axée web marketing sur le sujet, parce que bah, proposer des contenus pertinents, ça peut être également bien pour du maillage interne ou des choses comme ça. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à faire des recherches, à faire des recherches là-dessus, ou à participer à des formations.
Du coup, bah maintenant que, même si c'est pas hyper carré, mais qu'on en sait un peu plus sur le fonctionnement de Google Discover, bah comment faire pour optimiser et quels conseils donner pour justement bien apparaître sur ce canal? Déjà, encore une fois, quand on regarde la documentation de Google, il y a des contenus qui sont interdits. Ces contenus, enfin ces règles-là sont issues soit des règles générales du fonctionnement de Google, savoir faut pas proposer des contenus dangereux, des pratiques trompeuses, des contenus relevant du harcèlement, incitant à la haine, au terrorisme, les contenus médicaux, etc. Ça, c'est les règles générales qu'on peut trouver dans le moteur de recherche. Et après, il y a des éléments qui sont assez spécifiques à Discover. C'est faut pas proposer d'annonces et de contenus sponsorisés, de contenus concernant des élections, des contenus trompeurs. Et après, plus récemment, ils avaient même dit en exemple, on prendra pas forcément en compte ce qui est lié aux demandes d'emploi, les pétitions, les formulaires. Les codes repositories et les contenus satiriques sans aucun contexte. Ça, c'est du coup l'officiel. Et finalement, il y a des éléments qui peuvent apparaître enfin, si vous êtes dans ces thématiques, ça va être plus compliqué parce qu'officiellement, c'est interdit. Après, quand on regarde ce qui apparaît vraiment dans les flux, bah, en ce moment, on est quand même en pandémie mondiale, donc il peut y avoir plein de contenus qui sont à caractère médical. Contenu à caractère terroriste, bah, c'est pas en tant que tel, mais c'est quand même une thématique qui peut être abordée dans Discover, étant donné qu'en ce moment, il y a les commémorations du 11 septembre, il y a les attentats du 13 novembre, il y a les talibans, etc. Et si on avait fait des recherches sur les talibans, on avait un flux d'actualité, y compris dans Discover, qui parlait des talibans ou choses comme ça. Donc, il y a des règles générales et après, il y a différentes manières un petit peu de l'aborder. Et les annonces et les contenus sponsorisés, si vous n'avez jamais vu un article qui proposait une vente flash ou un prix vraiment à tarif spécial, profitez-en. De ces 200 € de réduction sur le dernier Huawei, etc. Ça, on sait très bien que c'est des contenus aussi qui marchent sur Discover. Donc, officiellement, c'est interdit. Si on les pratique, c'est peut-être plus compliqué d'apparaître. Mais dans la pratique ou manière empirique, il y a des éléments qu'on peut quand même voir apparaître dans Discover. Donc, voilà. Discover, donc on a vu que les différents éléments, c'était les centres d'intérêt, parce que le flux se basait quasiment, enfin beaucoup là-dessus, c'est vous présenter un maximum d'informations qui peuvent vous intéresser avec les centres d'intérêt qui vous sont propres. Du coup, bah, le conseil générique, c'est de travailler les entités. Les entités, si on regarde la liste des brevets de Google, il y en a énormément qui traitent du sujet. Pour ouais, les entités liées, les résultats de recherche qui sont basés enfin, sur plein de choses qui sont vraiment liées aux entités, bah, rien que le knowledge graph ou les choses comme ça. Il y a énormément de littérature sur le principe enfin, ce que c'est une entité, comment ça fonctionne, comment elles sont détectées, comment on peut les relier, etc. Du coup, bah, il y a maintenant aussi de plus en plus d'outils qui proposent de bah, détecter sur un texte quelles sont les entités, comment extraire les entités d'un texte pour savoir si on est bien, on a bien ciblé. Donc, on raisonne plus en termes de mots-clés, on raisonne vraiment en termes d'entités. Et du coup, il y a des outils qui sont à disposition. Déjà, à la base, bah, Google Trends, on a assez peu d'informations, mais bah, il y a soit terme de recherche, soit sujet quand on propose quelque chose. Quand c'est un sujet, c'est l'entité. Et après, du coup, on peut voir quelles sont les entités reliées à ce sujet de manière permanente ou celles qui sont en forte progression. Et ça peut nous indiquer sur savoir comment organiser un petit peu les contenus. Vous pouvez tester un texte, pardon, via l'API de Google sur le langage naturel pour voir dans un texte donné. Quelles sont les entités qu'il arrive à extraire. Après, il y a d'autres outils comme maintenant YourTextGuru qui présentait pas mal d'entités nommées et qui maintenant en plus développe un peu plus ses fonctionnalités. Il y a InLinks aussi, je crois, c'était
c'est plus un outil anglophone, mais il a été fait par Dixon Jones, pardon. Ou en tout cas, lui travaille ou promeut pas mal cet outil qui propose justement pas mal de choses dans l'étude de texte, savoir quelles sont les entités liées ou etc. comme ça. Donc il y a de plus en plus d'outils sur le sujet. Et si vous aimez bien lire des brevets de Google, il y en a énormément également sur le sujet. Google Discover, donc il y a des contenus qui sont proposés en fonction des centres d'intérêt. Et ces contenus, bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit une image et un titre. Donc globalement, les conseils qui sont également donnés directement par Google dans sa documentation, c'est bah, travailler les titres, c'est donc utiliser des titres qui traduisent l'essentiel sans manipuler les taux de clic, éviter les tactiques visant à augmenter artificiellement l'engagement, éviter les tactiques visant à attirer le maximum d'internautes avec des contenus tape à l'œil provocateurs ou scandaleux. Et ça, bah, tous ceux, en tout cas, qui ont des contenus qui fonctionnent sur Google Discover peuvent doucement rigoler de ces conseils-là, parce que ce qui marche le mieux sur Google Discover, c'est finalement les contenus tape à l'œil, les formulations, cette étonnante révélation que machin a dite sur tel sujet, ou voilà, ou les contenus, le prix, la réduction de fou qu'il y a en ce moment sur tel sujet. Enfin, il y a vraiment des choses où la titraille exagère une partie ou un sujet particulier. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux en taux de clic. Donc voilà. Et il y a récemment une autre, une autre conférence qui a été faite anglophone, je pense, c'est sorti la semaine dernière ou chose comme ça, qui donne justement pas mal de données sur les contenus qui fonctionnaient le mieux, sur ce qui rankait le mieux sur Google Discover. Et on voit que, enfin, clairement, les contenus clickbait, c'est ce qui cartonne le mieux. Faut pas chercher plus loin. C'est parfois plus compliqué justement à faire en SEO, c'est pas ce qu'il va demander, parce que finalement on cache un peu le sujet principal pour donner envie d'en savoir plus et de cliquer sur Google Discover, mais ça fait un carton plat. Et y compris les contenus violents ou choses comme ça, enfin les faits divers, c'est ce qui fonctionne le mieux, que quelqu'un a été décapité ou choses comme ça, mais ça peut faire un carton sur Discover, donc on peut doucement rigoler des conseils qu'ils donnent. Ou alors, c'est un petit peu l'effet inverse, on peut se dire, notre intelligence artificielle, pour le moment, elle se plie à ce qui fonctionne, parce qu'on sait que humainement, les gens sont attirés par les contenus qui génèrent une émotion, etc. Il y a de la curiosité, et donc on sait qu'il y a un très bon taux de clic, donc l'intelligence artificielle va reproduire ça. Et de se dire, finalement, on ne voudrait pas que ça devienne une poubelle, alors s'il vous plaît, faites des efforts, travaillez vos titres, faites des choses bien, puisque nous, on ne contrôle plus trop ce qu'il y a derrière. Je ne sais pas trop, mais il y a un énorme décalage entre la communication de Google et ce qu'on peut observer quand on a des résultats dessus. Les autres conseils de Google, donc, et qui étaient également donnés par Danny Sullivan, c'est travailler les images, ce qui peut paraître évident parce que c'est vraiment l'image et un titre, c'est à peu près tout ce qui est présenté dans le flux. Donc forcément, si on fait un bon titre avec une belle image, ça peut augmenter notre CTR. Il faut avoir des images de bonne qualité, de grande taille, et en utilisant donc le paramètre Max Image Preview Large, ou en utilisant le format AMP. Bon, on l'a vu tout au début, le format AMP, c'est pas la peine de s'embêter avec ça. Et éviter d'utiliser un logo de site comme image. Ça aussi, il faut éviter de le faire, mais techniquement, c'est pas non plus un frein, parce que bah, justement, pour certains contenus qui proposent des fois des offres alléchantes, attrayantes, attractives, maintenant je vois apparaître où il y a juste le logo du site marchand pour dire où on trouve l'offre en question, et apparemment ça apparaît dans Discover. Après, forcément, sûrement si on respecte certaines guidelines, c'est plus facile, mais en tout cas, utiliser juste du texte, ça n'a pas l'air un frein. C'est pas en tout cas rédhibitoire pour apparaître dans Discover.
Il y a un autre élément sur lequel on peut aller chercher des informations, c'est que dans certains pays, il est possible de faire de la publicité sur Google Discover. Et du coup, Google, là, ils sont plus enclins à donner des conseils pour finalement optimiser l'affichage sur Google Discover et savoir quels sont les formats les plus adaptés. Parce qu'on sait tous que Google a cœur de bien différencier les contenus, enfin les publicités des résultats naturels. Donc on peut se dire, ça peut être intéressant de regarder quels sont les conseils donnés pour apparaître sur Discover quand on fait de la pub. Donc pareil, encore le titre qui est obligatoire. Ça, c'est les conseils de la pub. Après, ça ne veut pas dire que tout s'applique sur le naturel, c'est vraiment aussi finalement des technos différentes. Mais généralement, vu que la pub, leur but, c'est d'avoir un bon taux de clic, des fois, il y a des bonnes pratiques qui sont à prendre. Et pour les images, le format carré, il n'est pas adéquat pour Discover, mais on avait vu tout à l'heure que c'était 1200 pixels qui étaient recommandés. Là, il nous donne finalement le meilleur ratio, et du coup, là, vraiment, la taille recommandée, c'est 1200 x 628. Et les images 5 mégas maximum. Après, ça peut être logique aussi, parce que si on veut proposer des éléments rapides, on sait qu'il faut pas un gros poids d'image. On a des informations un petit peu techniques aussi sur le sujet. Et quand on regarde ça, il y a vraiment après des conseils qui sont précis, notamment concernant les images, en indiquant finalement, il y a des contenus, des images qui sont inappropriées. Faut pas aussi montrer certains sujets sur les images, donc les contenus négatifs. À chaque fois, ils disent qu'il y a quelques exceptions. Faut éviter aussi les images déformées, les images mal cadrées, les contenus flous, etc. Donc, ils donnent énormément de conseils assez précis sur pour indiquer quelles sont les images acceptées ou refusées dans Google Discover, mais dans la partie payante qui est pour le moment pas disponible en France. Mais après, ça peut être intéressant parce que quand on regarde du coup tous les conseils qui sont donnés sur ces sujets-là, si on sait un petit peu, on suit au courant de tout ce qui est fait concernant l'intelligence artificielle et le contenu des images, finalement tous les conseils qui sont donnés là pour la publicité, c'est tout, enfin que des éléments qui sont détectables algorithmiquement parlant. Google est capable de proposer des suggestions de cadrage, donc il peut vous dire si votre image elle paraît justement mal cadrée ou déformée ou choses comme ça. Il arrive donc à détecter les visages, les libellés, etc., plusieurs objets pour savoir justement ce que contient, étant donné que normalement on n'est pas censé présenter des armes ou des choses comme ça ou des contenus explicites. Il peut se baser du coup sur le contenu des images pour de la modération. Et après, pour refaire le parallèle avec les contenus gratuits, on peut se dire, il y a peut-être des éléments à prendre et le premier filtre, il va peut-être se baser sur ce qui est directement visible dans le flux, à savoir le titre et les images. Donc ça vaut vraiment le coup de travailler ça. Et il y a un autre élément, donc ça c'était la documentation qui était présentée pour utiliser donc l'API de Google Cloud Vision pour dire ce qu'elle était capable de faire. Donc je reprends, c'est exactement ce qui est indiqué dans les conseils pour la publicité. Et il y a aussi un autre élément qui était intéressant, c'est que du coup, à travers une image, Google est capable de détecter les pages et les entités web. Alors on sait très bien que sur la recherche, on peut arriver à positionner une image qui n'est pas du tout liée au contenu de la page. Normalement, je pense que si vous cherchez encore Redingote Pirate, qui est un test qu'on avait fait avec Alexis, doit toujours y avoir en premier une photo de chat. Mais on peut se dire, étant donné que Discover et la recherche naturelle, c'est pas non plus le même fonctionnement. Discover, il se base vraiment sur les entités. Algorithmiquement parlant, il y a vraiment la capacité de voir si l'image présentée elle est adéquate avec le centre d'intérêt qui normalement est relié et proposé. Donc, il y a vraiment peut-être des éléments à faire pour choisir vraiment une bonne illustration et que ça soit plus en cohérence avec le contenu. Je mets un petit peu du conditionnel parce que je n'ai pas pu tout tester sur le sujet.
Et nous, généralement, l'image qu'on prend, elle est vraiment en relation directe avec l'article. Mais il y a vraiment peut-être des éléments à voir pour voir si ce ne serait pas rédhibitoire, parce que algorithmiquement parlant, on peut détecter si l'image est vraiment hors sujet par rapport à l'entité. Vu que le système de recommandation se base sur l'entité, ça a peut-être un poids plus important sur Discover, mais c'est des éléments que je n'ai pas forcément pu entièrement tester. Dernier point, c'est finalement comment mesurer les résultats et comment savoir du coup le trafic qui provient de Discover. Le premier élément qu'on a à disposition, c'est Google Search Console, où il y a un onglet si vous apparaissez dans Discover ou si vous êtes déjà apparu dans Discover, vous avez un onglet Google Discover qui va donc vous donner le nombre de clics d'impression et le CTR pour les différentes pages. Et dans quel pays? Et l'apparence dans Google Discover, c'est justement là où vous pourrez voir si les contenus AMP qui sont présentés ou si c'est des vidéos, enfin les deux formats les plus fréquents un petit peu qu'on peut avoir en dehors des pages web, c'est les vidéos et le format MP, même si le format MP est très peu exploité. Après, si vous avez l'habitude d'utiliser Google Search Console, vous savez que les données, elles ne sont pas exhaustives, toujours dans une logique de protection de la vie privée des utilisateurs. Ça tient à cœur à Google. Et ce que vous verrez dans le graphe, ce n'est pas forcément cohérent avec ce que vous verrez dans le tableau. En gros, les informations seront plus complètes dans le graphe, mais vous n'aurez pas forcément le détail. Vous pouvez avoir une courbe avec des clics et dans le graphe et un tableau qui est vide en dessous. Quand vous faites très peu de trafic sur Discover, ça peut être possible. Donc, ce n'est pas forcément exhaustif. Donc, on peut se dire, ok, c'est bien, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir Discover dans les outils de mesure d'audience? Et globalement, pour identifier Discover, il y a un référeur qui est envoyé. Donc, si votre outil de mesure d'audience, que ce soit Google Analytics ou autre, arrive à détecter le référeur, vous pouvez normalement, techniquement, identifier donc le trafic de Discover. Après, le référeur peut changer. Il peut y avoir différentes sortes, mais majoritairement, le trafic vient de ce qui est indiqué là, comme .google.android, .google Quick Search Box, avec rien derrière maintenant. C'est majoritairement le référeur qui est envoyé quand on utilise Discover. Il y a aussi Google APIs, je crois, qui est plus pour peut-être les appareils iOS. Mais voilà, et après, il y a ce qui est difficile de savoir, c'est est-ce que parce que Google propose à différents endroits finalement des suggestions d'articles, est-ce que ce système de suggestions, c'est vraiment Discover ou c'est juste un push ou chose comme ça, enfin un autre système, ça peut être plus difficile à voir, mais globalement, si vous voulez à peu près l'identifier, il faut essayer de trouver quel trafic vient. Via ce référeur-là. Et du coup, vu que Google Analytics, c'est l'outil qui est généralement très employé pour le suivi d'audience, parce que, un, il est gratuit et il est quand même plutôt assez intuitif ou facile à utiliser. On va parler d'Universal Analytics, globalement, mais parce que j'utilise assez peu GA4. Mais globalement, on peut identifier le trafic venant de Discover, mais par défaut, si on paramètre rien de spécial, Google Discover est dans le trafic direct. Donc, on doit faire des actions particulières pour pouvoir l'identifier. Je vous ai mis deux articles qui proposent du coup un mode d'emploi pour le faire. Et du coup, le site Valentin, on va dire App,
bah, détaille aussi beaucoup justement les référeurs qui sont utilisés et avait fait un article plus poussé pour savoir quel référeur correspondait à quoi, parce que Google envoie plein de référeurs différents. Ou alors, si vous voulez la version française, il y avait Jean Bombeuse, donc Vincent Lahaye, qui avait fait également un article sur le sujet. Ils utilisent des techniques un petit peu différentes, mais similaires finalement dans le. Enfin, avec la même logique, c'est du coup bah, toujours quand même créer une nouvelle vue. Pourquoi? Parce que pour l'identifier dans Google Analytics, il va falloir aller dans l'administration et jouer sur les filtres. Et tout ce qu'on fait au niveau des filtres qui sont dans l'administration, c'est des actions qui ne sont pas rétroactives et qui peuvent être destructrices de données. Donc si vous faites un mauvais paramétrage et vous n'avez qu'une seule vue, ça veut dire que vous pouvez perdre et transformer toutes vos données définitivement. Vous ne pouvez pas récupérer ce qui est fait. Donc pour ce genre de paramétrage, il faut toujours créer une nouvelle vue pour être sûr d'avoir finalement une vue où on a les données brutes. Et si on a une chute, peut-être que c'est dû à un filtre qu'on a mal fait et pas forcément la réalité. Donc il vaut mieux toujours créer une nouvelle vue. Et après, donc créer un filtre avancé où la logique, ça va être finalement écraser le champ source qu'on a dans source support ou choses comme ça, pour avoir des informations plus détaillées, puisque généralement on n'a que Google. Avec sa technique, on pourra voir si c'est google.fr, google.com, etc. Donc lui, il écrase directement le champ source pour pouvoir justement voir apparaître celui qu'on a vu au-dessus, à savoir celui-ci. Et une fois que bah, on l'a identifié, on peut après le retravailler pour dire cette source-là, au final, elle s'appelle Discover. Mais déjà, on a un champ source qui est beaucoup plus fin. Et après, on le retravaille. La méthode de Vincent, elle est un peu différente. C'est lui, bah, au lieu d'écraser le champ source, il dit bah, on va l'envoyer dans une dimension personnalisée qu'on va appeler par exemple référeur brut. Et après, on va créer un filtre pour dire quand c'est ce référeur brut. Du coup, je peux l'appeler Google Discover et je peux lui dire finalement soit c'est de l'organique, soit c'est un champ référent, etc. Donc au lieu d'écraser directement la source, lui il passe par une nouvelle dimension. Donc si on veut le paramétrer, ça veut dire créer une dimension personnalisée dans Analytics. Après, si vous passez par GTM, faire en sorte de bien alimenter cette dimension par le référeur brut. Et après, on peut du coup refaire des filtres pour dire quand c'est ce référeur-là, on l'appelle Discover et on l'attribue à tel canal. Donc lui, il avait dit, vu qu'il y a un référeur qui a envoyé, c'est un site référent, donc il l'envoyait dans les sites référents, mais si vous voulez l'envoyer dans l'organique, vous pouvez très bien le faire aussi. Et après, bah, c'est Google Analytics, qu'on disait que le principal défaut de Search Console, c'était que les données n'étaient pas exhaustives. Dans Google Analytics, si vous n'avez pas le consentement, normalement, vous n'avez pas le droit non plus de collecter les informations. Donc, les données ne seront pas non plus exhaustives sur Analytics. Donc, on peut se demander si l'information remonte dans un outil qui a le droit de mesurer le trafic, y compris lorsqu'on ne donne pas non consentement. Donc, actuellement, en France, il n'y a pas beaucoup de solutions qui le permettent, mais il y a AT Internet. Et AT Internet aussi était beaucoup utilisé pour les sites médias, pour la certification de l'audience. Du coup, sur AT, ça remonte bien dans les sources organiques. Et après, en fait, il faut essayer de affiner un petit peu pour savoir quelles sont les catégories justement des moteurs de recherche. Et là, on pourra voir justement si ça vient de la recherche, si ça vient des suggestions Chrome ou si ça vient de Google News. Et globalement, moi, ça remonte dans les Chrome Content Suggestion après de longs échanges avec le support. Quand j'ai posé la question, il y en avait d'autres chez qui ça apparaissait sous ce nom-là, et il y en a d'autres où ça apparaît encore en tant que recherche. Donc je ne sais pas trop comment il fonctionne, ça n'a pas l'air d'être pareil sur tous les comptes, mais en tout cas, si vous utilisez Analytics, que ce soit Delta, donc, qui est la nouvelle version de AT Internet, ou AT Internet Analytics, dans tous les cas, il faut aller dans les sources organiques et regarder les catégories de moteurs de recherche pour avoir un petit peu un niveau plus précis.
Et si ça remonte pas comme vous voulez, bah, vous pouvez contacter le support. Avec moi, ça a marché. Et je crois que je suis à 49 minutes. Donc, je suis dans les temps. Et j'ai Ouais, t'es bien. tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Alors, hop, remettons-nous. Là, c'était super intéressant, en tout cas. Merci beaucoup, beaucoup. C'est pas un sujet que moi je maîtrise particulièrement. Et c'est vrai qu'il faudrait, faut pas qu'on néglige cette source de trafic, tu l'as dit, qui peut être juste gigantesque, hein, huge. Hein. Et moi, j'utilise moi-même Discover via l'application, justement, Google sur iOS. Et c'est vrai que ça cible assez bien. J'ai vu passer quelques questions, quelques commentaires. Et notamment des gens qui disaient que c'était pas forcément bien ciblé, etc. Alors, faut faire attention parce que si on est plusieurs à utiliser un poste informatique ou plusieurs à utiliser le même téléphone ou même compte en fait Google, on peut potentiellement être ciblé. Moi, j'ai eu le cas où effectivement j'ai des gens qui étaient qui ont utilisé mon téléphone et puis je me suis retrouvé avec des sujets. Je me dis mais à quel moment j'ai fait ça? Et voilà. Donc il faut voilà, il y a cette première chose. Et puis ensuite on peut aussi dire, tu l'as montré tout à l'heure, hein, on peut choisir ses préférences. Moi, en tant qu'usager, je me dis, par exemple, il y a des sujets que je vois passer et puis finalement, ça m'intéresse pas. Et donc, je les cache. Donc, pour répondre, c'était pour répondre par avance à l'une des questions. Parce qu'il y a soit on peut masquer, soit on peut dire vraiment le sujet m'intéresse pas. Il y a vraiment deux niveaux. Il y en a un qui est un peu qui joue un peu moins sur l'algorithme que l'autre. C'est soit on masque temporairement à peu près la carte dans son flux, ou soit on retire vraiment le centre d'intérêt de la liste. Alors justement, on a Nicolas qui pose une question. Est-il possible d'éduquer Google Discover pour ne pas obtenir en tant qu'utilisateur de news, tape à l'œil et autres contenus inutiles? Donc je pense que tu as répondu à la question. Je pense oui, enfin normalement c'est pas censé c'est pas conseillé de le faire, donc je pense que c'est parce que Google techniquement il a du mal à le gérer, donc le plus simple c'est finalement essayer de regarder quels sont les centres d'intérêt qui ont déclenché cette carte-là pour pouvoir pourquoi pas en retirer, mais en tant qu'utilisateur je vois pas trop d'autres solutions. En tout cas, Discover Ouais. lui a l'air d'en proposer souvent. Il y a des trois petits points là sur la droite des news. On clique dessus. Moi, je le fais souvent et je dis bah voilà, ce sujet ne m'intéresse pas ou carrément ce site, je veux plus le voir. Voilà. Donc, si tu veux filtrer un peu, Nicolas, tu peux faire Ah comme oui, ça. et d'ailleurs, je crois que j'avais pas montré là, mais il y a une fonctionnalité bêta qui est sortie, mais pour le moment que aux États-Unis, où dans Google Discover, on pourra vraiment finalement un petit peu, enfin quand on est sur un site internet, qu'on navigue normalement sur un site, on pourra avoir l'option suivre ce site pour qu'il apparaisse plus fréquemment aussi dans Discover. C'est apparu dans l'aide. Justement, de Google, il y a une semaine, et pour le moment, c'est que en bêta aux États-Unis, mais il y a la possibilité. On savait qu'il y avait l'option ne plus suivre un site, mais maintenant, il y aura apparemment marqué noir sur blanc, je veux suivre vraiment ce site-là. Peut-être le nouveau Google Reader sera Discover. Alors, on a une question d'Alain. Comment voit-on le contenu spécifique Discover sur l'appli Google dans iOS? Moi, j'ai pas d'iPhone, mais c'est tous les articles qui sont proposés sous le champ de recherche, je crois. Ouais, alors justement, c'est ça, exactement. Moi, pour le coup, étant usager d'iOS et ayant installé Google, donc il faut aller dans l'App Store, on tape Google. Je crois que l'appli s'appelle tout simplement Google. Et donc on lance l'application et puis en fait il faut idéalement se connecter. Enfin moi j'imagine, hein, en tout cas moi je suis connecté, j'en sais rien, ça se trouve je dis des bêtises, hein, c'est pas ma spécialité du tout, mais en tout cas moi je suis connecté à mon compte Gmail. D'ailleurs je peux remarquer que selon le compte Gmail, j'ai pas les mêmes infos. Voilà. Donc et du coup effectivement faut être idéalement connecté pour avoir les sujets qui nous concernent, on va dire, qui nous suivent. Et donc dès qu'on lance l'appli, c'est sous le champ de recherche effectivement. Après, enfin, c'était vraiment marqué que c'est principalement alimenté par les données issues de son compte Google. Donc, en fonction du compte Google qui est connecté à l'appli, il n'y aura pas les mêmes. C'est vraiment un système recommandation. Donc, personnalisé. Donc, selon le compte, il n'y aura pas les mêmes critères. Alors, on a une autre question. On en a plein des questions commencent à arriver, sauf qu'on doit lancer Emmanuel dans quelques minutes.
Merci Madeleine. Question sur les titres affichés dans Discover. As-tu des insights là-dessus? Donc title, H1. Il m'est arrivé d'y retrouver le titre OG qu'on différencie parfois. Oui, moi je trouvais que par rapport à la. Comment dire? À ce qui remue un peu la sphère SEO depuis quelques temps avec la réécriture des titles, j'avais l'impression que du coup tout ce qui était news et discover c'était moins impacté par cette réécriture de titres. Après, finalement, discover se base aussi beaucoup sur les métadonnées, il faut vraiment être cohérent. Et ouais, ça peut arriver que Google prennent un titre qui est issu des métadonnées plutôt que la balise title directement. Parce que dans les métadonnées, du coup les données structurées aussi, on peut vraiment envoyer pas mal d'informations. C'est pour lui une manière finalement claire d'avoir une vue brève de tout ce dont on parle, parce que généralement on met moins de blabla et on fait une synthèse un peu plus directe. Et du ça peut enfin oui il peut clairement se baser là-dessus, et quand il y a des écarts ça peut clairement arriver, mais plus pour moi c'est rarement le H1, enfin j'ai très peu vu jusqu'à maintenant, c'est plus ouais entre title et les des balises méta. Une autre question donc de Cédric. Si quelqu'un a une option pour masquer les articles de presse incomplets, donc sur abonnement, je suis preneur. Donc j'ai vu plusieurs fois ce sujet-là passer, notamment, mis à part celui-là, on avait une autre question, je ne retrouve plus, mais qui disait que est-ce qu'il y a une pénalité du fait qu'il y a un paywall, par exemple, sur 80% de l'article. Moi, c'est vrai que je tombe souvent sur des articles où il y a un paywall. Enfin, voilà, ça m'arrive souvent et c'est un peu embêtant. Le seul truc, c'est que on a vu, il y avait quand même des liens entre un peu Google News ou choses comme ça. Et pour moi, il y a une limite minimale de caractère à atteindre pour pouvoir apparaître dans Discover. Donc si, après, c'est pareil, les sites qui ont un paywall, des fois, ils proposent le contenu entier à Google ou choses comme ça. Google ne voit pas forcément tous les paywalls, mais... Voilà, il y a plus un nombre minimal de caractères à voir. Si on a du texte, si on a de la vidéo, c'est peut-être différent, mais pour le texte, c'est un nombre minimal de caractères à fournir, et elle n'est pas forcément non plus trop élevée, quoi. Super, merci beaucoup. Alors, on va mettre une dernière question, mais effectivement, tu as déjà répondu durant la conf. C'est la localisation, voilà. Concrètement, je te laisse. Alors, en gros, nanana. Alors, il me semble que le local était aussi un facteur important. Oui. Ouais, bah clairement quand Google dit comment il alimente le flux, quand on regarde le côté utilisateur, c'était clairement donc nos activités sur le web et celles de nos contacts et notre historique de position et la localisation actuelle. Et ça clairement influence. Après, c'est tout ce qui est local. Généralement, quand on est local, on est intéressé par ce qui est à proximité. Donc forcément, il peut déduire soit ou des lieux qu'on a visités récemment, il peut continuer à alimenter en disant qu'on peut être intéressé de savoir ce qui se passe ou je sais pas où, un article lié à un lieu qu'on a visité récemment ou là où on est actuellement. C'est... ça fait partie de ces critères pour alimenter son système de recommandation. Merci beaucoup pour ton intervention, c'était vraiment très intéressant. On a beaucoup beaucoup de commentaires positifs, des merci. Merci Madeleine, très complet, merci. Top, merci. Voilà, big up, bravo Superpres. Enfin voilà, donc vous étiez 400 à avoir suivi cette conf. Merci beaucoup.